Welcome in Italy at Canazei for the first round of the Enduro World Series. So you are with the Scott Esserson Tour Enduro team and you could follow Elliot Trabak and Hugo Pigeon racing this first World Enduro of the year. This is a double round World Series. There is a race on Wednesday and another race on Saturday. Pour cette saison, c'est un peu particulier, donc avec l'année dernière qui a été compliquée, Covid, puis je me suis blessé en début de re-saison, on va dire. Donc c'est un peu un retour à ce niveau-là cette année. Toujours un peu bizarre les premières courses internationales, parce qu'on a toujours du mal à voir le niveau des autres et comment le niveau a évolué d'une saison à l'autre. Premier ride ici à Canazei. On va tester le nouveau vélo, c'est la première sortie avec ce vélo, peaufiner les petits réglages et puis prendre un peu connaissance du terrain. L'ambiance au sein du team, elle est, je dirais, super détendue. On n'est pas beaucoup, et du coup, c'est une ambiance super familiale, enfin, c'est cool. L'idée, c'est de partager du bon temps ensemble. La spéciale sera la première, vraiment belle. Il y a du bon flow, de la bonne terre, de la vitesse. Toujours cool de pouvoir le faire aussi avec l'équipe, avec Hugo. On peut pas mal se challenger sur les différentes lignes qu'on peut prendre, etc. Ici, c'est plus en pente, ça tout le virage. Viens le voir d'ici. Regarde, moi je connais personne qui saute et en l'air se décale comme ça. Moi je suis sûr que je vais essayer, je verrai bien. Tu vas mettre les roues dans le chantier là. Ça faisait plaisir déjà de la marcher pour se mettre un peu dans le bain. Ça va faire plaisir de commencer par ça ce mercredi quoi. Before I was a bit manager and racer. This is the first race I'm totally focused on the manager function. So it was quite interesting. I raced enduro for a long time, so now I'm happy to manage a team and to try to help them. C'est super cool d'avoir un ancien top pilote en tant que team manager. Il connaît ce sport mieux que personne. C'est hyper intéressant, il y a Rémi qui est vraiment là pour nous appuyer, nous donner des conseils quand on a des questions, etc. Même sur les choix techniques et matériels. C'est hyper intéressant de partager tout ça pendant les week-ends de course, quoi.
Tchabac, 10h10, 11h, 11h50, 50 minutes. Bon bah à toutes. Bah gaz hein. Ouais. Ouais, du coup, hier, premier jour de course sur cette semaine avec les double events. On va avoir juste une spéciale demain et la course complète le samedi. Donc toujours cool d'aller faire un petit tour de vélo, profiter déjà des pistes et des paysages qui sont juste ouf ici. Ça va être cool et puis on va se faire plaisir et profiter d'être là. Ouais, du coup cette année c'est une saison un peu particulière pour moi où j'ai quand même beaucoup moins de temps que je peux consacrer à l'entraînement et au sport de manière générale. Là j'ai attaqué du coup plutôt dans le monde pro cette année. Sur ces semaines de course comme ça, on a pas mal de jours off et ce qui est cool c'est voilà, ça me permet de concilier un peu les deux, de bosser. C'est un bon compromis au final où on roule pas mal, on se fait plaisir et je peux bosser un peu quoi. J'ai effectué ma transition donc, du cross-country vers l'enduro en 2017 à cause de certains problèmes de santé, notamment au niveau de l'estomac par rapport à l'effort. C'est vraiment la différence d'effort qui m'a fait basculer du cross-country vers l'enduro. J'avais du mal à supporter les efforts très intenses de plus de 45 minutes, 50 minutes en continu. Enfin, en enduro, avec le fait qu'il y ait les liaisons et tout, même si c'est intense, l'effort il redescend lors des liaisons et donc ça me permet d'effectuer cette discipline en compétition. Ce qui me plaît le plus dans l'enduro, c'est vraiment cet aspect de multidiscipline. Il faut vraiment travailler tous les points pour être le plus performant et le plus polyvalent possible. Et c'est ça que j'adore. J'adore m'entraîner autant en vélo de route qu'en descente. I'm always impressed by the level, the growing year after year at the top ranking, but also the top 100 is it's very tight gaps. Pour moi ça s'est bien passé, vraiment cool de finir cette spéciale 5e place et donc d'attaquer la grosse journée de demain et donc la manche numéro 2 dans de bonnes conditions. Tiens, pour moi, ce que je vais faire. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'économiser à mort sur le plat. Dès que je vois rien, tu me filmes, je me dis ça coche. Les autres, c'est comme aujourd'hui. Ok. Sauf les 5 premiers. Pour la classe. Classe. Il va devoir parler anglais. Putain, ils vont t'interviewer en bas des stages et tout. Déjà l'aspect compétition c'est sûr que ça m'a énormément apporté et après même par rapport à là, des voyages, de l'ouverture etc. Enfin, s'amuser, se dépasser, donner le meilleur de soi-même et le faire dans la nature, en pleine forêt. Donc c'est vraiment un ensemble qui est hyper complet et moi c'est ça qui me plaît beaucoup. Pour moi le vélo c'est beaucoup de choses. Déjà parce que je me sens vraiment épanoui quand je suis sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en course.
J'adore cet aspect nature. Du coup, j'apprends beaucoup avec le vélo et ça me fait vraiment plaisir.